Bonjour à toutes et à vous tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit tuto coiffure. Voilà, avec mon GHD que j'ai depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus, 2 ans. Hein. Voilà, avec ces pinces. Parce que hier soir je me suis couchée avec mes cheveux, j'ai pas fait le brushing exprès pour ce matin, pour pouvoir faire un tuto pas brushing, mais lisser mes cheveux pour cet été. Comment je fais? Parce que j'ai une touffe de cheveux. Voilà, je vous fais voir. Comme ça. Donc, cet appareil, il est extra. On l'allume. Vous voyez? Il s'adapte tout seul aux cheveux. Je le pose. Après, hop, je sépare un peu mes cheveux. Je mets une pince. J'en remets une ici. Voilà. Et moi, il va sonner. J'ai mes racines à faire. Et alors, je le tiens, peu importe. En tant qu'il sonne, c'est très vite. Hein. Voilà, hop, ça y est. J'attrape, je mets... une bonne poche cheveux, il n'a pas besoin d'avoir peur. Si vous voulez des boucles dans l'autre sens, vous faites dans l'autre sens. Il s'adapte très bien. Pour quelque chose très vite, je trouve que c'est bien. Hein? Là, je prends une autre partie de cheveux. Comme ça. Hop, je recoiffe. Je reprends pas de trop grosses mèches. Elle a peut-être bien pris un petit peu trop. Je l'aime. Hein? C'est vrai qu'avant j'ai mis du T-Force sur tous mes cheveux. Pour ne pas les abîmer. Que j'ai pris chez Bleu Libellule. Voilà. Donc, j'aime bien faire cette coiffure de manière à ne pas avoir trop d'entretien. C'est vrai que je ferai un tuto brushing. Voilà. Mais comme aujourd'hui il va pleuvoir, hein, le temps ne s'y prête pas. Allez, tout simple. En fait, il ne faut pas insister de trop. Voilà. Pas trop insister sur les mèches. Rebelle. Derrière, on les fait gonfler. Hop. Voilà. Reviennent toutes seules. Magnifique cet appareil. Hop, je roule. Et si vous voulez dans l'autre sens, vous faites dans l'autre sens. Voilà, hop, il fait tout son job tout seul. Là, moi, je vais faire dans l'autre sens, pourquoi pas. Hein. Voilà, et puis il fait. Et c'est tout simple. Voilà. À l'abri, vente ta campe. Beaucoup d'entre vous peut-être connaissent cet appareil. Après, c'est chacun ses choix. Hein. Après, quand les cheveux poussent comme les miens, les cheveux qui poussent vite, ils avaient au carré l'année dernière, j'ai fait couper. Et j'ai décidé de les relaisser pousser. Et puis, on verra. Ma coiffeuse m'a dit oui, ça serait bien. C'est bien
de pouvoir changer, surtout que j'ai une masse de cheveux, et puis de les laisser un peu plus blancs que je les ai eus. Alors j'ai tout le temps tendance à les remettre dans l'autre sens, vous voyez. Voilà. Après, on va reprendre dessus. Alors c'est vraiment un petit tuto vite fait pour vous faire voir un peu quand je les ai mis raides. Parce que j'ai un cheveu qui ondule beaucoup de lui-même. Alors pour ça, il faut vraiment que quand je les ondule, que je laisse onduler, c'est un peu plus de travail, plus de soins. Mais entre, vous savez, la piscine que je fais, le vélo et tout, donc les avoir plus raides pour moi est plus facile, de façon à les mettre dans un bonnet, pour aller dans la piscine. Et puis pour aller chez le kiné, c'est des pinces, c'est vraiment, voilà, vraiment plus pratique. Comment je fais? Maintenant, tout simplement, hop, on va revenir faire les petites boucles, là. Voilà. Moi, j'applique comme ça. Je donne un peu de volume comme ça. En dessous. Voilà. Voilà. Dessus, je leur donne un peu de volume. Comme ça. Pause. Voilà. Ensuite, j'éteins mon appareil. Alors, s'il veut bien s'éteindre. Il ne veut pas. Hein? Bon, j'appuie mal. Je vais aller mettre de l'huile pour ne pas les abîmer. Hein? Sur les pointes. De noisette. Je frotte très très fort. Je vais appliquer partout. Alors, surtout sur les pointes, je les prends. Après, hop, je finis sur le côté. Voilà. Voilà, j'ai fini mon petit tuto cheveux ce matin. Voilà, tout simplement. Hein, il y a un petit chemisier bleu. Et j'espère que ce petit tuto comment coiffure vous aura plu. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Un petit pouce en haut, merci. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie énormément. Et je vais continuer tout doucement. Hein. Et je vous souhaite à toutes et à vous tous une très belle journée. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous, bisous.